Et salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode du Let's Play de Portal 2 sur PC. Bon, alors nous sommes de retour dans ce truc qui ressemble à, de loin à un incinérateur, on va dire. Alors, pour rappel de l'histoire, on a été réveillé par Whitley. Whitley, le petit robot, la petite boule avec un œil bleu là. On a reparcouru le début du parcours de test du premier jeu, mais en version la nature qui a repris ses droits. Et ce crétin de Whitley a rallumé GLaDOS. Voilà. Donc bah, maintenant on est dans la merde. Parce que GLaDOS, elle se souvient que bah, on l'a déjà mis hors d'état de nuire une première fois. Donc elle nous en veut un petit peu, ce que je comprends. Voilà. Voilà, GLaDOS, l'intelligence artificielle qui dirige le centre d'aperture Science, n'oublions pas. Hein. Donc nous allons avancer, puisque maintenant, ce que je dois faire, c'est pas me retrouver ici. Ok. Alors ce fail-là, je pense qu'il rentre dans les annales. Les annales du fail. C'est les annales du fail. Non mais, ça... Est-ce que je peux vous dire que ça m'est jamais arrivé? Alors qu'il suffit de passer là en plus, hein. Oh, la tourelle. C'est marrant, elle s'est bloquée. Elle s'est bloquée, la tourelle, c'est trop rigolo. Bon, allez, on continue. Hop. Le voilà. Attention. Oh, le voilà. Ah oui. Oui, le voilà. Générateur de portail. Bah oui, parce qu'on a perdu le premier. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Voilà, donc maintenant j'ai récupéré le portal gun, ou générateur de portail, hein, qui génère les deux couleurs comme je veux, oui. Ce qui va nous permettre d'avancer un petit peu plus facilement dans le jeu. Alors oui, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test, c'est-à-dire par là, voilà. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Ouais. Alors normalement, vous devriez vite reconnaître cet endroit. Hein. Attendez, voilà, regardez. Laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Ouais. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Bon, si tu peux arrêter de parler, GLaDOS, ça serait cool. Oui, donc regardez. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit avec les deux plaques Oui, en fait, on est en train de remonter à l'envers la salle de test numéro 19 du premier. Voilà ce qu'on est en train de faire. Ah oui, la vitre est cassée. Je peux générer un portail en face. Voilà, on y est. Regardez, voilà. Vous voyez, numéro 19. Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Mais ah bah, l'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Ouais, super. Bon, maintenant, on va être évacué de cet endroit. Hein. Voilà, donc dans l'épisode précédent, on avait fait les premières salles du test du premier en mode nature qui a repris ses droits, et là on a fait la dernière. Voilà, la dernière à l'envers. Chapitre 2. Excusez ouais. Le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. Cool. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel.
Ouais. Donc maintenant, nous sommes sur la salle numéro 1 d'un tout nouveau parcours de test contenant 22 salles, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors voici une nouvelle nouveauté. Oui, bien sûr. Une nouveauté de gameplay pour Portal 2. En fait, ils ont remplacé... Je sais pas si vous vous souvenez des machins qui éjectaient des boules d'énergie et qu'on devait les faire se balader jusqu'à arriver dans un récepteur. Ben là, ils ont remplacé ça par un laser. Donc voilà, il suffit de viser au bon endroit. Ah, ben oui, par contre, faut que je me mette sur l'ascenseur avant, sinon ça marche pas. Voilà, c'est mieux. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Oui, beaucoup de tests, comme vous avez pu le constater. Parce qu'à vrai dire, le circuit qu'on a fait dans l'épisode précédent, même si c'était pas un circuit officiel, on a quand même plus ou moins fait des tests. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre... petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il des doit y en avoir dans le coin. Ouais, le coin, c'est-à-dire là. Voilà, c'est ça un cube. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais qu'est-ce que tu fous ici? T'es censé être mort. Qu'est-ce que tu fous? Bon, le bouton, c'est pas la peine d'y aller, donc autant récupérer direct le cube. Hop. Alors, ce cube anti-découragement qui possède des... Voilà, vous pouvez le voir, des lentilles sur sa surface, va nous permettre de dévier les rayons laser. On n'a plus qu'à les dévier à la bonne place. Ah! Bon, il me faut que je récupère le cube pour le mettre sur le bouton. Bah, pas grave. Je mets un portail là. Hop! Bravo! Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Eh, hey, ça y est, GLaDOS va déjà recommencer à nous dénigrer. Super. Eh, hey, elle a vite repris du poil de la bête à la bestiole. Ne laissez pas l'argument quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ah oui, c'est vrai. Ah bah dis donc, c'est difficile de relancer tout ça. Hein. Faut relancer la machine, comme on dit. Alors, je vais monter chercher le cube déjà. Alors, donc je peux dévier le laser là. Est-ce que je peux sauter assez loin? Ouais! Ah ouais, d'accord, c'est un de premier verrou pour la porte. Par contre, il y a un accès par là. Oh, bonjour! Bonjour, Too Many Variables. Sucker's Luck Exile. Ouais. Voilà. On retrouve ces fameuses salles planquées avec des dessins. Hey, genre, il y a de la musique. C'est bizarre, je me souviens pas du tout de ces musiques. Bon, arrêtez-moi si je me gourre, hein, mais... Mais quand je l'ai sorti en 2011, j'ai pas souvenir que ces radios faisaient de la musique, hein. Sérieux. Bon, on va peut-être remonter. Par là, ça me semble bien. Alors... Donc, où est le deuxième? Il est là. Ah merde. Alors, on va mettre un portail ici. Et... C'est bien parce qu'il y a des taches oranges, là. Et il y a des taches rouges-oranges, appelez ça comme vous voulez. Félicitations. Pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide aux alimentations. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable, au mépris des probabilités. Quoi? T'insinues que je suis grosse? Bah oui, grosse, n'oublie pas que le héros est une femme. N'oublie pas que le héros est une héroïne, c'est une femme. Shell,
qui a le nom le plus bizarre du monde d'ailleurs au passage, mais bon. Que voulez-vous ? Alors ce qui me fait rigoler, c'est tous un les écrans instant. Comme ça. Quoi, un instant ? Vous passez ces salles de tests plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Ah, la bonne blague. Faites ce que vous voulez, à part détruire le centre. Alors je suis désolé, du coup je parle assez peu, parce que GLaDOS a tellement la tchatch que... alors... Y'a rien ici. Ouais, juste un bout de... Je me disais, où est-ce qu'il m'envoie le cube? J'avais complètement zappé. Alors c'est bien, tu m'as donné un cube, mais j'en fais quoi? Oh, la... bonjour la caméra. Alors j'imagine que je dois l'envoyer là-bas, mais comment? Ah oui, il faut tout simplement dévier le laser. Tout simplement. Ouais, par contre si je le mettais plus au milieu... Aïe! Hop, parfait. Ensuite on se met là. J'ai qu'à reposer mon portail orange. Alors ici je vais utiliser le cube pour passer sans me faire cramer, voilà. Vous m'avez écouté, j'en suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Comment dire? Bon, de toute façon vous connaissez le personnage de GLaDOS, hein. Elle va passer son temps à se foutre de nous. Voilà. Elle va passer son temps à se foutre de notre tronche. Donc fatalement des trucs du genre ralenti. Oh, t'es pas obligé d'aller aussi lentement. Oh, des cubes. Oh, plus de cubes. Allez, salle numéro 5. Le test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Ouais. Alors, les plaques de foie aérienne, encore une nouveauté du deuxième jeu. Ça permet de... Ouais. Par contre, pourquoi il y a eu ce truc qui s'est fermé? J'ai pas trop vu ce qu'il y avait en dessous, si vous l'avez vu, vous, dites-moi. Hey, on peut faire ça. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas détruit des caméras de surveillance. Alors, j'appuie sur le bouton. Et ça génère ce cube qui re... Oh, je croyais avoir vu un truc. Qui rebondit sur cette plaque de foie au milieu là, qui le propulse verticalement. Et le tout, bah, c'est de sauter moi-même et de choper le cube au passage. Voilà, c'est une réussite. Bon après, j'ai plus qu'à refaire le saut dans l'autre sens. Que saviez-vous? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Ouais, ça s'appelle du recyclage d'air, mais ça a peut-être un peu ses limites quand même. Il revient trop cher à pomper, loul. Bah, je sais pas, et comment tu veux assainir de... Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Je me souviens de la façon dont il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Ouais. Oui, tu permets de que je rentre dans la salle? Merci. Ah ouais, ici, je me souviens de ce truc. Alors, on va bien s'amuser. Alors en fait le truc c'est qu'on va passer de plaque de foie en plaque de foie. Regardez, il y en a une là-bas, il y en a une là-bas, il y en a une autre là, pour arriver là-bas tout au fond en fait. Ouais. Alors ici si je peux placer les portails. Ouais, réussite. J'ai réussi à placer les portails en vol. Voilà. Donc, ensuite on arrive là.
Il y a un bouton là-bas. Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Regardez-moi ça. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Non, je vais envie d'en rattraper quelques-uns. Les déchets ne se prêtent pas au test. Ce sont des déchets. Appuyez encore sur le bouton. Hey, j'en ai rattrapé 4 quand même. J'en ai quand même, ouais, parce que la boule elle est partie, la boule elle est tombée. Hey, j'ai rattrapé ça, j'ai rattrapé cette voilà ça. Et ce qui s'apparente à une bouteille de gaz. Bon, oui, je peux appuyer sur le bouton. Maintenant, c'est bien un cube qui va me donner. Voilà, regardez. Il suffit de mettre le portail orange en place. Et hop, voilà le travail. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Méchante, va. Méchante. Bon, allons-y gaiement, continuons. Hein. On a le temps devant nous. Le saviez-vous? Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises, car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Tiens, notre cube compagnon. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Retournez en prendre un autre. Est-ce que je peux juste prendre le cube? J'ai juste touché le cube. J'ai touché le cube, elle me l'a pété. Non mais c'est une blague. Ou alors? Donc ici il faut que je bloque le laser pour... Oh zut, je l'ai détruit aussi. Pas grave, nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande, vous m'en débarrassez. Oui bon, pas en mode troll, ça serait cool aussi GLaDOS, merci. Eh, hey, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. Je t'ai capté, mon vieux. Hop. Alors, qui dit cube compagnon avec le petit cœur dit cube que vous devez vous trimballer dans la salle entière. Donc, autrement dit, il faut que je le récupère. Voilà. Souvenez-vous de ce cube de compagnon, le fameux cube qui ne... Il ne peut pas parler. Dans l'hypothèse où le cube de voyage lesté vous parlerait, le centre d'enrichissement d'Aperture Science vous déconseille de l'écouter. Bon, c'est bien, je fais quoi après? Mais qu'il est con. Je fais quoi après? Je vois les deux panneaux inclinés. C'est pourtant d'une évidence ce qu'il faut faire. Hop. Il faut faire il faut faire notre ami la projection. Là, je pose le cube sur le bouton. Après, je remets le portail orange de l'autre côté. Et... Oula, j'ai eu un freeze. Bon, faut dire aussi qu'en ces temps, vu la situation actuelle... Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Est-ce que je peux te désobéir, GLaDOS? Coucou! Il est où, mon cube? Moi, je prends mon petit cube avec moi, je l'aime bien mon cube, compagnon. Et hop! Oh, GLaDOS, t'es méchante! T'es méchante, GLaDOS! Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. Oh, vous avez lu ce que GLaDOS vient de nous dire là?
Ouais, on a perdu notre cube. On a perdu notre cube compagnon qu'on voulait tant emmener avec nous. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test qui n'en comportait pas. Ouais. Alors voilà, réapparition de ces fameuses barrières hein, qui nous interdisent de tirer des portails au travers. Et qui détruisent tout cube avec tout cube qu'on essaierait de faire traverser. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Bon, bah à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de me dire que je parle trop vite. Oh, un trou dans la vitre. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est... Alors déjà, qu'est-ce qu'il fait ce bouton? Il donne un cube. Ok, parfait. Alors le truc, c'est que ce cube, va falloir le ramener ici. Mais je ne peux pas le faire traverser la barrière puisqu'il sera détruit. C'est pas grave. Grâce au petit trou dans la vitre, je peux poser un portail là-bas. J'en mets un ici. Et on récupère notre cube. Notre petit cube. Ensuite, il n'y a plus qu'à dévier le faisceau. Et voilà le travail. Allez, on s'en va, on se casse. On se casse. Alors évidemment, là, je vais vous donner l'impression de faire les tests très rapidement, mais encore, il y a plus rapide. Hein. Chapitre 3 déjà. Chapitre 3, retour. Retour? Oh, mais retour de qui? Alors, je laisse la salle se... Parce que visiblement, GLaDOS construit les salles au fur et à mesure qu'on rentre dedans. Bon, bah, laissez partir, plaque de foie. Hé, c'est moi! Tout va bien? Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassée, n'est-ce pas? Non, j'ai rien fait, c'est voilà. Pas moi! Essayez voir. Je ne croirais jamais ce qui est arrivé, j'étais là, par terre. Mais t'étais mort, toi! Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Essayez donc. Non mais elle continue à insinuer que je suis grosse. Hein. Enfin que t'as qu'un oiseau, que mon héroïne est grosse. Et donc, vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Ouais, c'est ça, baisse le plafond. Voilà. Maintenant le plafond est plus bas, donc forcément je vais le taper. Donc on met un portail dessus et normalement l'autre c'est là-bas. Hop. Oui, donc je disais, je vous donne l'impression de faire les tests un peu vite, mais bon, à force de faire le jeu, je vous avoue que je finis par bien les connaître les énigmes. Alors ici on a un rayon laser et le récepteur là. Alors, là il y a un cube là-haut normalement. La question, est-ce qu'il m'a déjà généré un cube d'avance ou est-ce qu'il faut que j'aille appuyer sur le bouton? Il y a l'air de pas avoir de cube. Donc il faut d'abord qu'on y aille. Donc on va se servir de la plaque de foie pour se projeter, hein, c'est plus simple. D'ailleurs, pour pas faire l'aller-retour, tu peux passer directement sur le temps le portail si j'y arrive. Voilà. Allez, on prend notre copain le cube. Alors lui, vous avez vu qu'il y a un mur qui me gêne. Je vais tout simplement projeter le rayon laser vers le mur avec le cube. Et il n'y a plus qu'à mettre le portail de l'autre côté. Ah. Oui, ok, ça ouvre la porte, mais j'ai un peu pas pensé à ça. Oh, c'est pas grave. Donc avant d'ouvrir la porte, il faut que je me projette sur la plateforme. J'avais oublié ce détail. J'oublie quand même quelques détails.
Voilà. Classe. Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Bah quoi, c'est peut-être des... Les aigles, ils pilotent peut-être très bien, hein. T'as déjà vu un aigle piloter un truc, toi? Ben, l'ascenseur, il se fait attendre, hein. Il se fait désirer, l'ascenseur, hein. Donc du coup, ça me permet d'avancer assez rapidement. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Mais on s'en fout de ton cerf. Alors, donc ici, il va falloir faire joujou de la projection. Ah, il y a pas de cube dans le coin. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, le cube. Mais comment je vais le chercher? Ah, si je regardais tous les murs, ça serait mieux. Loul. Reloul. Voilà. Voilà comment on triche. Alors, ce cube, ben, j'imagine qu'il va falloir que je le balade. Est-ce que je peux sauter? Oh, c'est trop loin. Ah, par contre, j'ai posé le cube sur le bord. Voilà, donc maintenant que j'ai le cube, je vais remonter. J'ai pas trop ce qui s'est passé, mais... Alors, on va bloquer le laser. Ce qui a pour effet de faire rabattre cette... Voilà. Donc maintenant, on se resserre de la plateforme de projection. Enfin, la plaque de foie. Je veux pas toujours l'appeler plaque de foie, ça fait un petit peu trop scientifique. Ok, j'ai plus qu'à... Hop. Merci. Alors, est-ce que je peux... Oui. Maintenant, je mets ce cube ici pour mettre le... Ok, parfait. Ah, un petit peu à gauche. Voilà. Maintenant, je prends le cube. Je prends le cube avec moi et je refais les projections. C'est important d'embarquer le cube avec vous. Ouais. Eh bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. T'as vu des humains? Attends, la civilisation n'est pas censée avoir été anéantie? On n'est pas genre les humains du centre de test, ils sont pas censés être les derniers humains de la planète. Bon allez, on a le temps de faire une petite dernière. Bah la 11e, comme ça on aura fait la moitié du circuit. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Ouais, alors tu peux pas pomper de l'air de la surface, mais tu peux pomper de la lumière. Comment tu pompes de la lumière? Donc voilà, les petits ponts de lumière tangible. Encore une nouveauté. Franchement, ce Portal 2 est quand même garni, ouais, garni ça se tient, hein, mais j'allais plutôt dire blindé de nouveautés quand même. Donc voilà, on peut générer des ponts au-dessus du vide et marcher, voilà. Marcher comme si c'était des vrais ponts. Alors ici faut pas se gourer de portail, hein, parce que si je me gourre, j'enlève tout et je tombe dans la flotte comme un con. Et je rappelle que c'est de la flotte où tu meurs, hein. N'oubliez pas. Ah. Oui. Il faut peut-être que je commence par activer le générateur de cube, hein. Ouais, ça ira.
chaud quand même, mais ça va aller. Ah! Ah merde, c'est l'homme. Mais il est où le bouton? En surface. Voilà. Allez, là, je vais me placer directement. Et on recommence. Oh, j'ai failli passer à côté. Attention quand même. Ça serait très très con, j'ai envie de dire. Allez hop, on prend le... Ah, faut que je me rapproche un peu. Voilà. Et on met le cube pour ouvrir la porte. Oh, j'ai encore failli tomber à côté. Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite. Mais t'es vraiment méchante, GLaDOS! En même temps, c'est pas une surprise. Bonne nouvelle, j'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Ouais, c'est sympa. Bon, allez, donc on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode puisqu'on a atteint à peu près les 30 minutes, j'ai même un tout petit peu dépassé. Donc ça veut dire que le prochain épisode on commencera par la 12e salle du nouveau circuit de test. Donc on est quand même déjà dans le chapitre 3. On est passé de la fin du chapitre 1 à peu près la moitié du chapitre 3 en une seule vidéo, ce qui est quand même pas mal. Enfin bref, donc on s'arrête là-dessus. Je vous dis ciao et à la prochaine.